Et salut tout le monde, c'est Eagle, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Okami HD sur PS3 les amis, pour le début d'une aventure découverte sur un jeu que j'avais vraiment hâte de vous faire. Ça fait un petit moment que j'avais prévu de vous le faire. Et voilà, là, Jak and Daxter et Harry Potter se terminant, je me suis dit, pourquoi pas démarrer une nouvelle aventure en votre compagnie. Et donc on va faire les quelques réglages ensemble, parce que vraiment, c'est la première fois que je démarre le jeu, je découvre. C'est très bien comme ça, voilà. Voilà, on est très bon comme ça. Enregistrer les changements, c'est parfait. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu, on m'a souvent dit qu'il était exceptionnel, et j'ai vraiment voulu l'essayer, ça faisait très longtemps que je comptais le faire. Et donc bah écoutez, on est parti pour une véritable jolie découverte, je pense, et une très bonne surprise. Alors, on va tout simplement faire un nouveau jeu. Et on est parti. Il y a longtemps, très longtemps. Dans le Nippon ancien existait le paisible petit village de Kamiki, entouré de majestueux cerisiers. Chacun de ces arbres était honoré comme un kami. Cependant, Kamiki recelait également de sombres traditions. Pour satisfaire l'appétit d'Orochi, le légendaire dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Le corps de la bête était grand comme une montagne, et ses coups, portant ses 8 têtes aussi épais que des troncs d'arbres. Ses yeux injectés de sang maudissaient ceux qui croisaient son regard. Aucun être n'osait résister à ce monstre terrifiant. Quand la nuit du sacrifice approchait, un mystérieux loup blanc apparaissait près du village. Ce loup, dont la fourrure était blanche comme la neige, fut surnommé Shiranui. Le loup accompagnait ceux qui s'aventuraient hors des plaines et rôdait silencieusement dans les rues du village pendant la nuit. Les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochi. Un villageois décida alors d'affronter le mystérieux Shiranui. Le grand guerrier, Izanagi, défia plusieurs fois le loup, mais à chaque fois,
il se heurta à la rapidité de l'animal. Shiranui se déplaçait comme le vent, évitant avec agilité toutes les attaques du guerrier. Et puis, la nuit du festival maudit arriva. Chaque année, une flèche à plumes blanches venait, annonçait le moment du sacrifice. Perçant le ciel, la flèche maudite se planta sur le toit d'Izanami, la plus belle fille du village. Izanagi, qui couvait en secret un amour passionné pour elle, fut enragé par le message funeste. Il traversa les plaines jusqu'au repère d'Orochi à la place de sa bien-aimée, décidé à mettre fin à l'existence du dragon. Orochi se tapissait dans les ténèbres de la cave de la lune, alors qu'Izanagi se tenait courageusement devant l'entrée. Les 8 têtes de la bête apparurent, les yeux écarlates. Le grand Orochi était là, prêt à dévorer sa nouvelle victime. Izanagi bondit vers le monstre, faisant danser sa lame avec grâce. Sans répit, il combattit le dragon sous la nuit noire. Mais Orochi était résistant comme l'acier et la lame du guerrier ne pouvait qu'effleurer cette cuirasse indestructible. À bout de force, Izanagi tomba sur le sol comme un vulgaire sac de riz. Il savait que sa dernière heure était venue. Résigné, il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. C'est alors qu'il apparut. Comme pour protéger Izanagi, il se dressa devant Orochi. Malgré la nuit noire, sa fourrure brillait comme la lumière. C'était Shiranui, le loup blanc. Sortant ses griffes puissantes, il bondit férocement vers Orochi. Les têtes terrifiantes du dragon armaient leurs crocs pour la bataille. Les deux bêtes luttèrent sauvagement. Le spectacle continuait, à la fois étrange et terrifiant. Shiranui invoquait les vents divins pour repousser les flammes du dragon. Alors qu'Orochi s'avançait, les crocs en avant, un arbre gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc de son ennemi. De toutes ses forces, Shiranui combattit vaillamment. Cependant, Orochi était protégé par un étrange pouvoir et semblait invincible. Le manteau blanc du loup s'était teint en rouge. Épuisé et blessé, Shiranui s'affaissa devant le puissant Orochi. Le dragon s'approcha, prêt à délivrer le coup de grâce. Mais le noble Shiranui refusa d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier hurlement, puissant vers les cieux. Les nuages sombres se dissipèrent. Et la lune d'or se refléta sur l'épée d'Izanagi, tel un rayon d'espoir. Le guerrier, qui s'était réfugié en attendant le moment propice, sortit de l'obscurité guidé par la lumière, réfléchit sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Orochi de ses bras épuisés. L'épée de lumière valsait telle une poupée au bout d'un fil. Une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent de son corps. Vaincu, Orochi s'effondra dans un lac de sang. La malédiction qui s'était abattue sur le village était enfin levée.
Et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna, de nouveau dans le ciel bleu. Shiranui respirait à peine, succombant au poison d'Orochi. Izanagi prit le loup dans ses bras et retourna à Kamiki. Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Shiranui laissa échapper un dernier jappement. Puis, fermant les yeux, il s'endormit pour toujours. La paix était revenue sur le village. En l'honneur des exploits de Shiranui, les villageois lui érigèrent un sanctuaire avec une statue de loup. L'épée d'Izanagi fut baptisée Tsukuyomi, puis placée dans la cave de la lune. Le village pouvait désormais vivre en paix. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure. Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques exploits du grand guerrier Izanagi et du loup blanc Shiranui. Le temps est passé si vite. Personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait arriver. Cette épée, est-ce l'épée légendaire? Est-ce Tsukuyomi, l'épée de la lune? La lame qui a vaincu le redoutable Orochi? Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une vieille légende, un conte à dormir debout. Toi qui désires le pouvoir, toi qui as brisé mes chaînes, je veux un monde de ténèbres. Répète cette prière avec moi et libère enfin mon pouvoir. Une tragédie sans précédent frappa le pays. Cependant, un petit village semble avoir échappé à cette malédiction. Le village de Kamiki, qui est protégé par le pouvoir d'un cerisier divin. C'est ici que commence notre véritable aventure. Quel malheur! L'ancienne prophétie s'est réalisée. Que s'est-il passé pour qu'une telle calamité soit arrivée? Nous devons agir vite, le temps presse. Mes pouvoirs ont grandement diminué pendant ces longues années passées à protéger ce village.
Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Amaterasu, le moment est venu. Jamais nous n'avons eu autant besoin de toi. Que ta lumière divine purifie ce monde souillé par le mal. Laisse tes rayons de soleil nous guider vers l'espoir. Ah, quelle lumière divine, tant de beauté et de grâce. Seule Amaterasu, la déesse du soleil et notre mère à tous, est capable d'un tel enchantement. Quel bonheur de retrouver celle qui s'est sacrifiée pour bannir le grand démon il y a tant d'années. Oh Amaterasu, te revoir renaître de cette statue après tant de temps, remplit mon cœur de joie. Amaterasu, regarde autour de toi et vois ce qu'il est advenu de ton ciel. Depuis ton départ, nos terres ont succombé à l'invasion des yokai. Chaque jour qui passe, ces démons sournois sèment le chaos et la destruction à travers notre beau pays du Nippon. Jusqu'à ce jour, jamais le danger n'était si grand. Ô Amaterasu, déesse du soleil, bannis les ténèbres de ta lumière et châtie ceux qui nous font souffrir. Quelque chose me chatouille à l'intérieur de mon kimono. Tous les kami. Encore toi ? Aïe 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 ! Ça va pas, non ? T'es pas si bien roulé que ça, hein ? Alors pas la peine d'en faire tout un plat. J'essayais juste de pimenter un peu plus la conversation. C'est tout. Faisais-tu encore la sieste dans mes vêtements ? Petite puce. Puce ? Je t'ai dit 1000 fois de ne pas m'appeler comme ça. Je suis un artiste errant. Je m'appelle Isun. Rentre-toi ça dans la tête. Ouais bon, après je vais arrêter de parler avec cette voix nasillarde parce que vu qu'il va être là pendant tout le jeu, ça va pas le faire. Je vais te montrer comme fabuleux je suis et tu vas pas mettre longtemps avant de t'incliner devant la technique de mon pinceau. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Plus mignonne que l'original, hein ? Qu'est-ce qu'il y a à boule de poil ? T'as le cafard ? Tiens, je te connais, non ? Ça y est, t'es la réplique exacte de la statue de Shiranui. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Il te manque une case ou quoi ? Tu m'as recouvert de bave, un bel homme comme moi. Tu vas regretter d'avoir provoqué la colère du grand Isun. Tu m'obliges à utiliser Denkomaru. Apprête-toi à le regretter. D'où vient cet hurlement ? Et puis, pourquoi fait-il si sombre ? Oh, grande déesse Amaterasu, j'ai utilisé tout mon pouvoir pour te protéger le village de Kamiki. Les esprits des villageois sont enfermés dans ce fruit. Fais-le tomber et le village renaîtra. Je sais que tu nous libéreras de notre sort funeste. Seuls tes pouvoirs divins pourront redonner vie à ce monde. L'arbre est redevenu comme avant, hein ? La petite Sakuya a dit des choses bien étranges. L'esprit du village a été enfermé dans un fruit. Ça doit être ce fruit.
Sakuya a dit qu'il fallait le couper pour faire renaître le village. C'est sacrément haut. Si tu n'utilises pas une sorte de pouvoir spécial, jamais tu n'y arriveras. Et pourquoi il fait si noir ici? Je suppose qu'un tas de choses peut arriver pendant une sieste. Bon, eh ben nous y voilà. Alors il y a quelque chose qui brille. Alors nous voici enfin en jeu un tout petit peu là, on a enfin de quoi faire. Donc voyons, on va examiner. Pourquoi ce fruit pousse si haut de toute manière? Il va falloir un pouvoir spécial pour l'atteindre. Oui, donc on va faire ça. Donc voilà, nous voici en jeu. Donc le style graphique du jeu est très très particulier, mais justement moi j'aime beaucoup, je dois l'avouer. Je dois vraiment avouer que j'aime beaucoup cet univers et ce style graphique. Donc on va aller vers la lumière. Chose à ne pas faire quand vous commencez à mourir. Sinon, ben, vous mourrez. Où sommes-nous? C'est devenu si silencieux tout d'un coup. Je ne me rappelle pas d'un endroit comme ça. Comme ça près du village. Bon, il vaut mieux ouvrir l'œil. Utilise le joystick droit pour regarder autour de toi. Tu peux changer la vue de la caméra grâce à la touche L1. Dis, t'as pas l'air très futé. T'es sûr que ça va aller? Je t'emmerde. Ça commence bien. Alors. Donc, ben, waouh, c'est magnifique quand même. Alors, déjà, première chose, cet endroit est absolument magnifique. Waouh. C'est vraiment sublime pour le coup. Donc, je vais regarder si on a des choses à y faire ici. Ah. Oups. Attends un peu. C'est un miroir du temps. Il paraît que lorsque tu te reflètes dans sa glace, tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir pour l'éternité. Bref, en gros, tu peux sauvegarder ta partie ici. Bon, je te donne encore un conseil. Essaie de sauvegarder en utilisant le plus de fichiers possible. Comme ça, tu pourras toujours revenir en arrière si tu es bloqué. Vaut mieux se préparer à tout, prudence et mère de sûreté. D'accord, ben on va faire ça. Alors, on va sauvegarder un coup. La musique est sympa aussi, ça va. Pour le moment, on part sur des bonnes bases. Alors, voyons voir. Bon, ok, on a plein de fichiers de sauvegarde. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne tournerai que le premier épisode. J'attendrai d'avoir vos retours pour la suite, histoire de voir si vous avez des conseils. Et si jamais aussi, dites-moi si vous découvrez peut-être le jeu en même temps que moi. J'avais regardé vite fait un let's play, mais je n'avais pas tout regardé, tout simplement parce que je savais que je voulais me le faire un jour et de me le découvrir. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment de le découvrir maintenant. Alors, regarde tous ces pots qui ne demandent qu'à se faire briser. En les fracassant, tu pourras peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Appuie sur la touche carré pour foncer dessus. D'accord. Bien joué, boule de poil. N'hésite pas à casser tout ce que tu vois sur ton chemin. Ok. Donc déjà, tu vas me parler mieux, espèce de sale puce à la mort moelle-neu, là. Donc on récupère des ryo, qui est une monnaie japonaise. Donc ça va, je suis pas trop paumé pour le moment avec Amaterasu, Izanagi, Izanami, etc. Parce que il y a les mêmes références mythologiques dans Naruto. Dans une autre mesure, hein, mais elles y sont. Du coup, je suis à peu près au point par rapport à ces personnages-là. Et attends, regarde vers le haut, boule de poil. Ça sent le trésor à plein nez. Montons en haut pour voir ça de plus près. Écoute bien, c'est un jeu d'enfant. Appuie sur la touche croix pour sauter. Puis une seconde fois sur la touche croix pour rebondir contre un mur. Enfonce bien la touche pour sauter plus haut. D'accord. D'accord, je vois. Ah, ok. Bon, tu vois, quand tu connais le proverbe, non? La chance sourit aux audacieux. Ouvre l'œil et explore bien partout. Ça serait bête de louper des trésors. Effectivement. Donc je compte pas non plus faire un 100%. On a obtenu un os sacré. Le plat favori d'Amaterasu. Restaure 3 soleils d'énergie. Ah, super. Donc je compte pas non plus tout récupérer, mais pourquoi pas fouiller au maximum quand même, dans la limite du possible et de l'envisageable. Hop. Après bon voilà, après peut-être que je peux changer d'avis par rapport à un 100%, tout dépend du temps que ça me prendra, et ça dépendra de pas mal de choses on va dire. Non, la money, je veux de l'argent. J'aime l'argent. 300 Ryo, parfait. Bah, on dirait bien que le pont est hors service. Ah bon? Bon, écoute-moi, Amaterasu, c'est ça? Je vais t'appeler Ama, ce sera plus simple, d'accord? Alors, Ama,
Tu as déjà entendu parler de l'esprit du pinceau? On dit qu'une belle calligraphie possède une âme. Regarde, ce sera plus simple, sinon je vais y mettre la journée. Et rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer, pas vrai? Hé, alors qu'est-ce t'en dis? C'est une petite technique qui s'appelle Renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau à utiliser un pouvoir divin. Cette technique appartient à Fudegami, une divinité du pinceau. Elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraîné dur pour maîtriser cette technique. Mais il en existe 13, et chacune d'entre elles renferme le pouvoir d'un des 13 Fudegami, les divinités du pinceau. À l'origine, les 13 Fudegami ne formaient qu'un seul dieu. Mais lorsque ce dieu a disparu, son pouvoir s'est divisé en 13 divinités différentes. Il paraît qu'elles vivent dans notre monde, autour de nous. Mais dieu ou pas, qui donc possède le pouvoir de maîtriser les 13 techniques? Bah moi, écoute, apparemment je suis au-dessus de tout ça. Allez, on va un petit peu accélérer. C'est super sympa quand même. J'aime bien le style un peu ancré comme ça, c'est vraiment super joli. Rivière du ciel. La rivière du ciel? Serait-ce la légendaire rivière des étoiles? Je vois rien de tel par ici. Bah, ça ne peut être cette flaque d'eau tout de même. Bon, alors, on va regarder un petit peu tout ça, 2 secondes. Laisse-moi 2 secondes, Isoun, s'il te plaît. Oui, je sais, tu fais la puce Super Saiyan, j'ai vu. Alors, là, on a des pots, on va en profiter. Ah. Tiou! Regarde un peu toutes ces étoiles qui brillent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel si joliment étoilé. Dis, t'as pas l'impression que ces étoiles forment une constellation? Oh, la constellation du dragon. Il y en a une qui manque. Bon, et si je dessinais l'étoile manquante? Et voilà. Bah, apparemment je ne suis pas encore prêt pour dessiner les étoiles. Pourtant, il faut bien appuyer sur la touche R1 pour tenir le pinceau, puis dessiner avec la touche carré, il me semble. Ah, fichtre, je me suis entraîné dur pour faire ça. Donc, pinceau. Et voilà. Bah, ça sert à rien de réfléchir. Cette fois-ci, le grand Isoun va montrer l'étendue de son art. Il faut dessiner, mais... Ben je l'ai fait, je comprends pas. Mais tout à l'heure elle y était. C'est quoi ce délire? Bon attends, on va passer ça. Tu me fais chier, Isoun. Oh là 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 là. Attends, on est d'accord qu'il faut faire ça. Voilà. Merci. Ô mère Amaterasu, Camille du Soleil et reine du monde. Pardonne-moi de m'être caché durant toutes ces années. Mais moi, Yomigami, dieu de la Renaissance, je me réjouis enfin de ce jour où nous sommes de nouveau réunis. Après ton départ, les 13 esprits du pinceau qui étaient réunis en toi, ainsi que moi-même, se sont dispersés à travers le monde. Des hommes et depuis errent à l'abandon. Devenu une constellation, j'ai attendu patiemment ton retour. L'heure est venue pour toi de chercher et de retrouver toutes les techniques de ton pinceau qui ont été perdues. Amaterasu, seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles. Nom d'un pinceau, c'était Yomigami, le dieu de la Renaissance. Attends, ça veut dire que Yomigami t'a donné son pouvoir? Peux-tu vraiment l'utiliser pour faire renaître la rivière du ciel? Donc, toi aussi tu es capable de manier les techniques du pinceau? Non, c'est impossible. Personne d'autre que moi ne peut utiliser la technique divine. Ah, tu veux comparer?
Parce que du coup, si on a bien compris le dialogue, en fait, c'est Amaterasu qui était la divinité d'où viennent les 13 autres divinités du pinceau. De ce fait, ce n'est pas rien. Rivière du ciel, oui, oui. Peut-être qu'en dessinant des étoiles, la rivière réapparaîtra. Non. Réparer un pont, c'est une chose, mais ressusciter des étoiles... Personne ne peut accomplir un tel tour de passe-passe. Laisse-moi faire. Alors, par contre, il aimerait me montrer un truc. Il a l'air d'insister, donc on va y aller. La rivière du ciel. Peut-être qu'en dessinant des étoiles... Non, réparer un pont, non, 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 non. D'accord. Alors, bah on va essayer ça. Oula, attends, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau. Peut-on faire ça? Ah ah, de quoi? Une rivière d'étoiles? Pas de doute, il s'agissait bien de la rivière du ciel. Par tous les camis, qui a bien pu dessiner la rivière? Oh, je sais pas. Genre, on peut rajouter genre de la flotte là et tout. Ah ouais. Bah super. C'est vachement sympa en termes d'inventivité quand même. J'adore. Non, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer un petit peu? Sûrement, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Bon, nous voici arrivés de l'autre côté donc. Vous avez obtenu un estomac mystique. Regarde ce que tu as trouvé, boule de poil. Un estomac mystique, ça peut avaler n'importe quoi. Lorsque l'estomac est plein, il peut ressusciter son propriétaire. Et donnons-lui à manger avec ce qui traîne par ici. D'accord, laisse-moi faire. Bon, je pense pas que l'estomac mystique mange des rayons, mais... Pourquoi pas. Ah, une pomme. Une pomme au nectar sucré, remplit un peu l'estomac. Vous mangez une pêche. Juteuse et parfumée à souhait, remplit un peu l'estomac, d'accord. Donc ça, c'est très bien. Et donc, on les mange automatiquement, ou... Vous mangez mandarine. Un petit fruit au goût acidulé, remplit un peu l'estomac. Au goût acide. Acidulé. Ça, c'est vraiment magnifique, quand même. Depuis tout à l'heure, j'ai comme l'impression que quelqu'un utilise des techniques du pinceau derrière mon dos. Non, je vois pas de quoi tu parles. Alors, on n'a pas d'autres coffres ou de trucs comme ça à récupérer ici. Bon, on va pouvoir continuer. Ça, c'est vraiment magnifique avec les accélérations et tout. Waouh. Donc, on est toujours un petit peu dans ce monde céleste. C'est très intéressant. Bon, continuons pour l'instant. C'est magnifique, hein. C'est vraiment superbe. Y'a rien à redire là-dessus, c'est vraiment super beau. Alors. Par contre, j'aimerais juste voir où je vais. Waouh. J'adore le style graphique, hein. Ça, je le savais déjà que j'aimais, mais là... Il y a vraiment une différence entre jouer et regarder, hein. C'est assez notable, quand même. Non, je regarde un petit peu, il y aurait pas des trucs qui traînent de l'autre côté de la flotte? Si, voilà. Vous voyez, on a failli passer à côté d'un coffre. Une perle errante. Trouver toutes les perles errantes éparpillées à travers le pays. D'accord. Et pour faire quoi? Enfin, genre, je me demande du coup. Alors, ça, c'est très intelligent, vous voyez. Pour éviter qu'on voit la transition assez abrupte entre le tronc de l'arbre et le sol, en fait, l'arbre tourne sur lui-même de manière à ce qu'on ait tout le temps la même apparence de l'arbre, en fait. Quel que soit l'endroit où on regarde, on aura toujours la même clinaison de l'arbre avec les feuilles, de manière à un petit peu cacher les défauts techniques. Et bon, c'est un peu de la triche, mais c'est toujours intelligent de le faire. Voilà, comme ça, quand il y a des petits défauts, on les voit beaucoup moins. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Ah. Alors, j'espère quand même qu'on saura qui a libéré Orochi, un dango. Ouais, les petites boules de graines, sucrées, je sais pas quoi. Bon, continuons. Il doit y avoir encore quelques pots. Bon, je pense que c'est pas très très grave si je rate des choses ici. Enfin, j'espère pas en tout cas. Si jamais j'ai raté des trucs et que je peux y retourner, prévenez-moi. Mais bon, on va récupérer tout ce qu'on peut déjà. À la limite où je le vois. Parfait.
Allez, on va grimper là. C'est superbe. C'est vraiment magnifique. C'est très 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 coloré et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment un monde vivant. Serait-ce la célèbre grotte d'Izanagi? Il s'agit du sanctuaire consacré au légendaire héros Izanagi. Il y a 100 ans, il a vaincu le grand démon avec l'aide de Shiranui, le loup blanc. Et maintenant, la grotte d'Izanagi, mais où diable sommes-nous? Mais cet endroit n'est qu'une ruine. Regarde, son épée est tombée en morceaux. On peut pas dire que les dieux ont fait des efforts pour protéger cet endroit. Est-ce que par le plus grand des hasards... Ouais, je pense que c'est ça. Et boum! Donc, c'était bien toi qui utilisais le pinceau. Mais qui es-tu pour pouvoir utiliser les techniques divines? Regarde, une autre constellation. Celle-ci ressemble à... Bon, alors logiquement, c'est ça. Oh, Amaterasu, déesse du soleil et notre mère à tous. Pardonne ma longue absence. Mais avec les démons qui ont envahi ces terres, j'ai dû me réfugier dans ce sanctuaire, dédié aux anciens héros. Si mes pouvoirs peuvent t'aider, moi, Tashigami, dieu des armes, je suis ton serviteur. Utilise cette épée avec sagesse pour vaincre tes ennemis. Hé, hey, c'était Tachigami, l'une des divinités du pinceau et maître de la technique de la lame lumière. Attends une seconde, si tu obtiens tous ces pouvoirs, ça veut dire que tu es la réincarnation d'Okami Shiranui, le loup blanc qui a combattu aux côtés du grand Izanagi. Après sa mort, le pouvoir de Shiranui s'est divisé en 13 divinités du pinceau. C'est complètement fou! Shiranui et Izanagi, comme dans la légende. Bon, même moi je n'ai jamais vu la technique de la lame lumière. Si tu l'essayais sur le rocher là-bas, couplé en deux en traçant un simple trait. Je ne le croirai que lorsque j'aurai vu. Attends, sa technique de la lumière. Et voilà. Incroyable! J'avoue que tu m'impressionnes, boule de poil. On joue pas dans la même catégorie. Je me suis surestimé. Hé, boule de poil. Je veux dire, Amaterasu, c'est décidé. Si tu es la réincarnation de Shiranui, ça veut dire que tu peux maîtriser les 13 techniques divines du pinceau, pas vrai? Dans ce cas, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu m'apprennes toutes les techniques. C'est ton jour de chance, hé. Non, inutile de me faire changer d'avis. Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Sinon, Ama, maintenant que tu maîtrises la lame lumière, tu peux sûrement couper la chose dont parlait Sakuya, non? Retournons là-bas et essayons. Ah bah oui, c'est pas con ça. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est la flèche de direction du jeu qui me dit où aller. Tachigami. Alors attends une seconde parce que là il y a plein de trucs. Alors est-ce qu'on peut genre faire ça? Ah ah! Sympa! Je vais regarder s'il y a d'autres trucs à détruire ici parce que bon, ce serait dommage de passer à côté. Il n'y a rien, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit en bas. Et puis même... Je vois mal comment je remonterai après, mais non, il n'y a rien. Donc allons-y. Et alors là, il suffit de faire ça. Non. Je suis déçu. Ah ben voilà, respecte-moi quand même. Nom de Dieu. Attends, est-ce qu'on... Genre, on peut tout casser comme ça? Non. Non. On va faire attention quand même, on ne peut pas tout casser. Ah, j'ai cassé... Ok, j'ai coupé l'arbre tranquillement. Oh! Partout les... D'où ils viennent ceux-là? Bah, peu importe. Dessine d'abord les questions après, pas vrai? Tu possèdes une arme divine en forme de miroir sur ton dos, non? Eh bien, presse la touche carré pour l'utiliser contre ces gugus. Ok, donc je peux les frapper comme ça. Regarde, Ama. Une fois qu'ils sont assommés, les démons deviennent noirs et blancs. Profites-en pour leur filer un bon coup de pinceau.
Allez, essaye, coupe-les et tranche-les avec la lame lumière. J'ai détruit ou pas? Ouais. Ok, celui-là je l'ai eu. Combo. Vous obtenez une bouteille d'encre. D'accord. Encre noire et de calligraphie. Restaure les pots d'encre. Parfait. Résultat, tend un arbre. Dégâts cerisier. Je comprends pas encore trop le système de notation. J'espère que vous m'excuserez. Alors, est-ce qu'il faut être assez proche de l'objet en fait pour que ça marche? Apparemment oui. Ah ok, maintenant j'ai l'encre qui commence à se limiter un petit peu, dommage. Bon allez. On va se rendre devant le pied, au pied du cerisier. On va libérer le village de sa torpeur fruitière et on se laissera très certainement là pour cet épisode les amis. Qu'on aura déjà fait plein de jolies choses, mine de rien. Allez. Ok, donc on a plus de 1000 rios, c'est pas mal du tout. Alors, encore un combat. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est assez rapide, en fait. Voilà, toi. Tu disparais. Ouais. Voilà. Vous mangez un chou chinois. Un choua. Ouais, montre-moi ton cul, tu vas le regretter, mon pote. Voilà, tu disparais. Rends-moi mon encre. Oh fuck yeah. C'est plutôt stylé les combats, j'aime beaucoup le système. À savoir s'il y aura des petites variétés avec des combats un peu plus difficiles de boss, etc. Je suppose qu'il y aura bien évidemment plusieurs types d'ennemis. Mais là, je parle vraiment plus des boss ou ce genre de choses. Allez. C'est vraiment magnifique, hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est vraiment très très beau. Alors bon, on va pas non plus refaire tous les coffres à chaque fois qu'on en voit. Enfin, tous les pots. Anyway, vous m'avez compris. Par contre, c'est assez étonnant qu'on rencontre des ennemis ici quand même. Après, c'est pour le tuto, mais... Ah, ça c'est bien. Il y a une vraie liberté dans les déplacements. Il n'y a pas de mur invisible qui nous empêche d'avancer comme on le souhaite. C'est très bien. Point positif. Bon, je récupère tous les rios parce que ça nous sera très certainement utile par la suite. Donc on va sauvegarder un coup. Accès au disque dur, voilà. Donc on va sauvegarder sur une deuxième partie. On est déjà à peu près 45 minutes de vidéo les amis quand même. C'est pas rien, donc du coup on va pas tarder à s'arrêter. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on va repartir par là. Toc toc toc. Donc nous revoici dans la réalité, j'ai envie de vous dire. Alors, maintenant qu'on est là, faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça. Parfait. Une très jolie scène là avec le retour de la nature. Regarde, le village est redevenu comme avant. La petite Sakuya, elle protégeait vraiment le village. J'aurais bien voulu passer plus de temps enfoui dans son kimono, si tu vois ce que je veux dire.
Bon, sérieusement, le village n'est pas encore à l'abri de tous les démons qui rôdent un peu partout. Retournons là-bas pour voir ce qu'il en, de quoi il en retourne. Alors, bah écoutez, ouais. Ouais. Alors par contre, le ciel est assez noir par là. C'est assez étrange. Allons-y, on va voir ce qui se passe ici. Bonjour. Alors, là, il y a un petit monsieur avec un pot sur la tête. Ok. C'est quoi ça? Je me souviens pas d'avoir vu une statue ici. Enfin bref, allons parler aux villageois. Ok, alors, est-ce que c'est par là, le village? Je n'en ai aucune idée. Bonjour. Non, rien. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des arbres. Où est-ce qu'on va comme ça? Ah. J'ai un mauvais pressentiment. Le village de Kamiki est célèbre pour ses magnifiques paysages. Je me demande ce qui peut bien se passer. Bah écoute, il m'a l'air un petit peu mort quoi, le village. Si tant est qu'on soit dans le village. Wouhou! Ok, donc on est revenu là. Ouais, nous on vient de là-bas. Non, c'était pas la bonne, c'était pas le bon chemin. Ah ben voilà, il est là le village. Bien le bonjour. Ouais, ils bougent pas les gens. Istoun, t'as quelque chose à dire? On n'a pas le temps de s'amuser à lire toutes les pancartes. Oui, d'accord, mais tu veux que j'aille où du coup? Ah ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un miroir. On va aller voir lui là. Tiens, il y a une statue ici aussi. On dirait bien que les villageois se sont transformés en pierre. Encore? Ce n'est pas un de ces petits yokai qui traînent dans le coin. Un rugissement pareil doit provenir d'une sacrée bestiole. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un de vivant. Si tant est qu'on trouve quelqu'un de vivant, t'es marrant toi. Ils sont tous en mode... Ils sont tous en mode endormi un peu, j'ai l'impression. Ah bon, ça bouge pas d'un pouce. Bizarre, tout le monde allait bien tout à l'heure. Ama, il y a quelque chose de louche ici. Le village est de retour, mais le ciel est toujours aussi sombre. Peut-être qu'il fait nuit également à l'extérieur du village. Montons en haut pour voir une vue des parages. Ah, mais t'es sérieux, j'y étais tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. On va faire accélération. Allez. Vas-y, Amaterasu. Plus vite qu'Usain Bolt. Non, retournons en haut de la colline. Ah oui, bah c'est bien ce que je fais. Ouais, c'est très très sombre quand même. C'est mal parti. Le soleil ne brille même pas. Il fait aussi noir que l'encre d'un pinceau. Tous les villageois ont été pétrifiés. Est-ce une malédiction? Est-ce l'œuvre des yokai? Ça n'a pas duré éternellement quand même. Si seulement le soleil pouvait réapparaître. En traçant un cercle dans le ciel, on obtiendrait un soleil. Mais c'est impossible à faire même pour un dieu. On devrait peut-être aller chercher de l'aide. Bien. Bien sûr, si tu possédais ce pouvoir dès le départ. Je suis Amaterasu, c'est la déesse du soleil, je te rappelle, garçon. Et boum. Que... De quoi? Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu. C'est le nom de la déesse du soleil. Tu possèdes la technique du soleil divin depuis le départ. Tu peux donc transformer la nuit en jour. Piou! Je ne savais pas que les kami étaient aussi puissants. Le trait du pinceau caresse la feuille telle la mélodie des cieux. Mon grand-père a dit ça dans un de ses poèmes. Il pensait qu'un peintre était le musicien des formes et des couleurs. Puisque toi aussi tu es un grand artiste, pourquoi on ne nommerait pas ton coup de pinceau avec le nom d'un de ses poèmes? On l'appellerait le pinceau céleste. Après tout, tu as réussi à faire réapparaître le soleil.
Allez, Ama, retournons au village. Allons voir si les villageois sont redevenus normaux. Hmm ? Qui es-tu ? Un loup blanc ? Pas celui qui a combattu le terrible dragon avec Izanagi ! Tu ne peux pas être le légendaire Shiranui ! Non, ce n'est pas possible. C'est une légende vieille de 100 ans. Cependant, tu ressembles beaucoup à la statue de Shiranui. Mais tu n'as pas l'air aussi malin. Foiré. Oh, wow, quoi ? Inutile de te fâcher. Tu peux vraiment comprendre ce que je dis ? Je ne dis rien de mal. C'est vrai que tu n'as pas l'air très malin. C'est pas sympa. Ok, donc on va avoir droit à un petit combat, j'ai l'impression. Hmm ? Quel est ce frisson soudain ? Regarde, Ama ! Voilà les démons qui errent à travers le pays. Les yokai. Ils viennent dans les villages pour semer la pagaille. Écarte-toi, boule de poil. Ma fidèle épée Denkomaru va... J'aime beaucoup l'humour du jeu. Alors, on va essayer de tous les mettre à terre. Et une fois que ça c'est fait, on va faire... Hop, hop, hop. Et putain, je galère avec le joystick. Ok, ça n'a pas voulu marcher. Mais crève! Allez, bon, j'y arrive pas encore tout à fait à les éliminer. Hein. Je suis désolé, mais. Je suis un peu un boulet. Très bien. Tout ça, c'est fait. Oh! Ouah, dis donc, t'es plutôt agressif quand t'es en colère. Tiens, tu as vu ? Tu as obtenu des sphères de bonheur. Regarde, tu vois cette source qui s'était tarie ? Elle est redevenue normale parce que tu as éliminé les démons de cette zone. Tu as restauré les pouvoirs du Kami qui protégeait cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. En redonnant à la nature sa beauté originelle, tu obtiendras encore plus de sphères de bonheur. N'oublie pas que le bonheur que tu obtiens grâce à tes actions est la source de ton pouvoir. De moins en moins de gens croient au Kami, les divinités qui demeurent dans notre monde. Mais si tu rends les gens heureux, on recommencera à te vénérer comme avant, et qui sait, peut-être que tu retrouveras tous tes pouvoirs. Bref, en tout cas, je me demande bien pourquoi il y a autant de démons dans les environs. Et le papy mandarine que tu as balancé, je pense que tu es juste un loup ordinaire. Les Kami sont devenus si faibles que les gens ne peuvent plus les reconnaître. Allez viens, je vais te faire visiter le village. Je sens qu'on va vivre une grande aventure. On va s'amuser, boule de poil. Ah ouais, tu parles beaucoup quand même, hein. Vous obtenez un sac à aliments, graines. Ama, espèce de petit coquin. Qu'est-ce que tu as ramassé de bon ? Et attends, bah c'est juste de la nourriture pour animaux. On sait jamais, on devrait quand même la garder. Si tu essayais de t'approcher des animaux pour leur donner, peut-être que quelque chose d'heureux t'arrivera. Je sais que les Kami ne sont pas supposés utiliser les créatures vivantes de cette manière, mais pas de chichi, on fait une exception. Oh, j'ai failli oublier, j'ai encore quelque chose à te dire. A chaque fois que tu veux vérifier ton inventaire, appuie juste sur la touche Start. Lorsque l'éventail est ouvert, tu peux voir si utiliser les objets que tu possèdes. Il y a plein d'autres choses que aussi. L'éventail est essentiel à la réussite de ton aventure. D'accord. Alors je suis désolé, j'ai un peu de mal. Globe spirituel, le symbole de la croyance des hommes, restaure un peu d'énergie solaire. Très bien. Bon, alors on va se rendre au village et on va aller sauvegarder. Sans plus de cérémonie, parce que là je vous avoue que j'ai un peu la gorge sèche et j'ai pas de quoi boire. Du coup, je suis un peu en train de galérer sur la fin de l'épisode, je suis désolé. Bon, on va vite le squeezer. Est-ce qu'on peut directement aller au village sans lui parler ? On va faire ça. On va essayer de trouver un point de sauvegarde rapidement. Hop, 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 hop. Parce que Isun parle vraiment beaucoup. Hein. Ça, il va falloir que je m'y habitue. J'ai un peu de mal pour le moment avec les dialogues découpés parfois. Mais enfin. Donc voilà. Point de sauvegarde en vue. Donc, bah écoutez.
C'est la fin de ce premier épisode, voilà, une bonne heure de vidéo. J'espère vraiment que ce premier épisode en ma compagnie vous aura plu, que si jamais vous ne connaissez pas le jeu, ça va vous faire plaisir de le découvrir avec moi. Je vous le rappelle, si vous connaissez le jeu et que vous pensez que certaines choses doivent être faites ou quoi, n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire, les amis. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cet épisode et je vous donne très vite rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Okami, les amis. Allez, ciao tout le monde, c'était Eagle, bye bye.